Parlez-moi des enfants. Docteur Halsey. Vous êtes au courant de tout. Vous les avez enlevés. L'esprit des enfants est plus perméable à l'endoctrination. Leur corps supporte beaucoup mieux les transformations. Nous avons ainsi créé le soldat suprême. Et grâce à notre réussite, nous étions prêts lors de l'invasion Covenant. Docteur Halsey, vous changez l'histoire en votre faveur et vous le savez. Vous avez créé les Spartans pour écraser la rébellion humaine, pas pour lutter contre les Covenants. Lorsque les mondes humains tombaient l'un après l'autre, que mes Spartans étaient la seule chose qui puisse empêcher l'extinction de l'humanité, personne alors ne se préoccupait vraiment de savoir pourquoi ils avaient été créés. Vous estimez donc que vos choix sont justifiés. Mon œuvre a sauvé la race humaine. Pensez-vous que l'absence d'humanité des Spartans y a contribué? Que cherchez-vous? J'ai vu des espions de la marine avant vous. Mais vous, vous êtes différent. Les Spartans avaient des tendances légèrement sociopathes. Côté socialisation et verbalisation, ils étaient... Ils ont fait preuve d'une efficacité absolue en situation de danger. C'est moi qui ai fourni les outils qui ont permis tant d'efficacité. Mais est-ce que vous pensez que le Major a réussi parce qu'au fond, il était brisé? Que vient faire John dans cette histoire? Vous voulez le remplacer? Le Major est mort. Son dossier, lui, dit qu'il est porté disparu. Catherine. Les Spartans ne meurent donc pas? Votre erreur, c'est de considérer les Spartans comme du matériel militaire. Mes Spartans sont l'évolution des humains. Notre destin en tant qu'espèce. Ne les sous-estimez pas. Et surtout... Surtout, ne le sous-estimez pas. Réveillez-vous.
J'ai besoin de vous. De gravité. Vous pouvez suivre les nacelles. Négatif. Attention! Où sommes-nous? Vérification des coordonnées de l'impact. Vous avez dû renoncer à votre famille, à votre enfance, à votre avenir. Cortana. Désolé. C'est le crash. Ça va. Ça n'allait pas avant même qu'on quitte le Dawn. Major, je vais bien. Vraiment. Cortana. J'ai été mise en service il y a 8 ans. 8 ans. Major, une IA se dégrade au bout de 7 ans. Alcée. Major. Il faut trouver Alcée. Major, écoutez. Elle vous a créé. Elle saura quoi faire. Je n'échapperai pas à la frénésie, Major. Il suffit de rentrer sur Terre et trouver Alcée. Elle vous réparera. Major, ne faites pas de promesses que vous ne pourriez pas tenir. Il faut y aller! C'est un cartographe local. Ok. Au service du monde bouclier Forerunner appelé Requiem. Requiem. Au moins nous savons où nous sommes. Voyons si ça peut nous dire ce qui intéresse tant les Covenants. Le cartographe se comporte comme si la transmission provenait de toute la planète en même temps. On ne peut pas trianguler le signal de l'Infinity. Ça y est. Je l'ai. C'est impossible. Recommencez. Nous avons déjà traversé une couche de la surface planétaire. Il n'est pas impossible que quelqu'un ait pu réussir à descendre plus profond que nous. La planète serait creuse ? Voyons voir si je peux trouver un moyen d'arriver sur ces coordonnées sans qu'on ait à creuser un énorme trou. Terminus se trouve à l'opposé du complexe. De là, on se téléporte vers le noyau de la planète. Quoi ? Je sais pas. Si on a une chance de vous ramener sur l'Infinity, on tente le coup. Ok.
D'après la cathédrale, la station Terminus ne serait rien d'autre que le nœud d'une grille de transport entourant la planète entière. Quoi ? Quand j'ai voulu accéder au nœud le plus proche des transmissions de l'Infinity, voici ce que le système m'a renvoyé. C'est quoi ? C'est un glyphe. Le symbole Forerunner pour dépositaire. Les hommes. Ce doit être l'Infinity. On peut rejoindre ces coordonnées ? J'essaie d'ouvrir un portail. Cortana. Je détecte des signatures énergétiques inconnues. Où ? C'est pas possible ! Placez un repère sur la tour. Cortana. Comment ? Vite, au portail ! Major, vite ! Où est l'Infinity ? C'est le noyau de Requiem, oui. Mais l'Infinity n'est pas ici, apparemment. Le satellite au centre amplifie les transmissions du vaisseau, comme un relais. On pourrait s'en servir pour leur répondre. Oui, peut-être. Les faisceaux qui en sortent sont à l'origine des interférences ressenties. Nous devons les désactiver pour contacter l'Infinity. Vous nous y emmenez ? J'ouvre un portail vers le pylône du premier vaisseau. Bon, allons-y. Infinity, ici Sierra 1 à 7 de l'UNSC Forward and to Dawn. Vous me recevez ? Infinity. Infinity, vous me recevez ? Infinity. Major ? Major, laissez tomber les contacts. Trouvez une sortie. Traînez pas à cause de moi, allez-y. Ainsi s'évanouit le résultat de ma trahison. Même ces animaux ont compris ce à quoi vous restiez sourds, humains. Votre noblesse vous a aveuglé une fois de plus. La bibliothécaire n'avait rien laissé au hasard, n'est-ce pas ? Retourner mes propres gardiens. Mon propre monde contre moi. Mais quelle suffisance de penser que je ne pourrai rien contre ces protégés. Si vous n'avez pas réussi à vous rendre maître de ces êtres primitifs, l'homme ne mérite pas le manteau. Le fléau que vous représentez doit être endigué. Le temps était votre allié humain. Mais il n'est plus de votre côté. Les Forerunners sont revenus. Cette tombe est la vôtre désormais. Spatio-temporel !
Major, allez! On doit partir! Ce didacte, il a manipulé le signal de l'Infinity pour nous obliger à le libérer. Debout! Qu'est-ce qui se passe? Le fait d'avoir déplacé le capteur de l'espace-temps a déstabilisé le noyau. Le didacte s'en va! Suivez sa chute. Attention, l'impact est prévu à 77,8 km au nord. Au moins, vous savez où il va. Au même endroit que nous. Le vaisseau a l'air intact. Quelque chose me dit que c'est parce que le didacte a bien voulu qu'il le reste. Et si la ski a eu l'UNSC Infinity, on est submergé par ici. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Ici Sierra 117 de l'UNSC Forward and to Dawn. Nous sommes prêts à venir en renfort. Je reçois mal, je décris un port Forward and to Dawn. Répétez. Le signal n'arrête pas de sauter. Je ne peux rien faire. Indiquez-moi leur plaque IFF. Il nous faut quelque chose si on veut les retrouver. Je suis désolé de faire irruption comme ça dans votre petite fête. Tom Lasky, seconde l'Infinity. Je pensais qu'on vous reverrait jamais. Fermez tout! Je vous voyais plus grand. Commandant! Message entrant! Infinity, ici commandant Lasky. Les pélicans de Rocco ont été abattus, ils sont tous au sol. On a beaucoup de blessés, il nous faut une assistance immédiate, terminé. Enfin. Vous avez les coordonnées du puits de gravité? Affirmatif, chef, mais il nous faut un transport. Déberté. On vous a envoyé en reconnaissance en plein milieu d'une attaque contre le vaisseau. Le capitaine pensait que l'Infinity pourrait nous couvrir et résister à l'attaque. Chef, on peut pas ramener ces blessés sur l'Infinity à pied. C'est un peu tôt pour vous demander un service, mais... on va bientôt manquer d'oxygène, ici. Vous voulez pas me nettoyer la zone d'atterrissage? Ça peut se faire. Je vous fais signe quand la zone est sécurisée. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est d'où viennent ces foutues créatures? Elles sont peut-être originaires de Requiem, si tant est qu'une IA comprenne ce que veut dire originaire. Nous n'avons jamais eu ce type de réaction offensive sur les autres installations. Les autres installations?
Monsieur Lasky. L'Infinity a pour mission de repérer les autres anneaux à l'eau et d'y établir des bases afin de découvrir comment les désarmer. Nous avons des bases sur les installations 5 et 3. Mais elles ont récemment rencontré des problèmes. Une équipe scientifique a été pulvérisée en exhumant un artefact de Forerunner. Ces données, c'est tout ce qu'il nous reste. Intéressant. Ces caractères sont dérivés du système de glyphes Forerunner. Nos têtes d'ampoule en ont tiré une série de coordonnées. À votre avis, ça nous mène où? Chef, la compagnie Gypsy est prête. Elle n'attend que vos ordres. Merci, Palmer. Monsieur Lasky, prenez la tête. Je vous veux au sol dans 60 minutes. Capitaine. C'est un scénario de type premier contact. La priorité, libérer l'Infinity du puits de gravité de Requiem et envoyer un rapport sur la menace au Fleetcom. Ça veut dire qu'on s'en va. Chef, l'Infinity a réveillé le Didacte. Il est vulnérable. Et il n'est pas le seul. Vous savez, je pensais que ça vous plairait de rester en vie pour pouvoir poursuivre le combat. Infinity accompagnée Gypsy. Le couloir aérien menant au puits de gravité est défendu par des canons à particules. Les boucliers de l'Infinity ne sont pas activés. Vous ouvrez la route et vous restez en appui aérien. Capitaine, quel est le rapport de l'équipe de reconnaissance? Je sais que vous avez été hors de combat assez longtemps, Major, mais c'est une opération coup de poing. Une mission de reconnaissance nous ralentirait. Nos instruments indiquent que les canons à particules sont contrôlés du poste de commande au sud-ouest. C'est votre cible principale. Neutralisez ces canons. On se retrouvera de l'autre côté. Pour prendre le puits de gravité. Infinity, terminé. Je sais pas pour vous, mais... moi je préfère quand on me donne un peu plus d'infos. On va faire avec. Qui êtes-vous? Je suis ce qui reste du Forerunner, que l'on nommait bibliothécaire. Mes souvenirs ont été gardés afin d'aider l'humanité, sur la voie du manteau. Mais ce plan est hélas en péril. Le Didacte va quitter le Requiem. Très bientôt, vous devez l'en empêcher. Il part? Il cherche ceci. Le recomposeur. Un appareil qui lui permettra de contenir la plus grande menace jamais rencontrée par les Forerunner. Vous. L'homme a conquis les étoiles avec une force totalement inattendue. Des systèmes entiers sont tombés avant que les serviteurs du Didacte ne mettent un terme à cette agression. Lorsque le Didacte parvint à arrêter l'humanité après un millénaire, la sentence fut sévère. Nous ne pouvions pas savoir que les Forerunner n'étaient pas votre seul ennemi. L'humanité ne se développait pas. Elle s'enfuyait. Affaiblis par ce conflit, nous n'étions plus de taille contre le parasite qui vous poursuivait. Les Forerunner élaborèrent des plans pour un dernier grand voyage.
Mais le didacte refusa de renoncer au manteau de responsabilité. Pour sauver la vie dans la galaxie, il en paierait le prix. Les Forerunners souhaitaient utiliser le recomposeur, un instrument qui permettrait de transcender le fossé entre sphère organique et numérique. On serait devenu immortel. Pendant un temps, nous l'avons cru, mais ce fut un échec. Les personnalités conservées se fragmentèrent, et nos tentatives de revenir à notre état biologique ne créèrent que des abominations. Ces considérations morales échappèrent complètement au didacte. Le parasite n'assimilait que les tissus vivants. Le recomposeur offrait au didacte une solution, et sa revanche. Les Prométhéens. Ils sont humains. Il n'était que la première étape. Il aurait encodé toute votre race si vous ne lui aviez pas retiré le recomposeur et ne l'aviez pas emprisonné ici. Dépositaire, lorsque j'ai indexé l'humanité en vue du repeuplement, j'ai dissimulé des germes. Des germes qui engendreraient une potentialité. Votre évolution physique. Votre tenue de combat. Même votre coéquipière Cortana. Vous êtes le fruit d'un millier de vies de planification. Pourquoi faire ? Il nous a trouvés. Même morte, elle s'insinue partout. Dépositaire, le généchant qui est en vous renferme de nombreux présents, dont l'immunité contre le recomposeur. Cependant, il faut l'activer. Comment ? Cessez tout contact immédiatement. Vous devez avancer sur le chemin de l'évolution. Est-ce que je peux vaincre le didacte sans ça ? Non. Alors allons-y. Préparez-vous. Infinity ne pourra pas tenir. Il ne supportera pas ça. Pas encore. Il ne s'agit plus de nous, ni même de ce vaisseau maintenant. Capitaine, nous avons vu de quoi le didacte est capable. Si nous le laissons partir, l'humanité est en danger. Écoutez, je sais ce que vous croyez avoir vu. Croyez ? Sauf votre respect, je sais ce que j'ai vu. Et sauf votre respect, soldat. Je ne vais pas risquer de mettre mon vaisseau en péril à cause des hallucinations d'un Spartan vieillissant et d'une IA dysfonctionnelle. Mais... s'il avait raison. Navigateur, dès que nous serons parés, je veux un cap en direction de la station Carinae. Préparez aussi une balise d'avertissement. Je vous... interdit de quitter cette planète ! Cortana... Je voulais pas... Je voulais pas dire ça... Commandant Lasky. Conformément à l'article 55 du règlement UNSC 12-145-72, je vous ordonne de déconnecter la mémoire de cette IA et de la placer au rebut. Pas ça, je vous en prie. Non, commandant, non. Déconnectez-la, tout de suite. Non... Je veux pas. Donnez-moi cette IA. Il faut arrêter le didacte. Si vous ne faites rien, j'irai. Je vous ordonne de me confier cette IA.
Non, chef. Commandant! Arrêtez cet homme! Capitaine! Arrêtez-le! Capitaine! Dites à la Terre qu'ils doivent se préparer. Cortana et moi ferons ce que nous pourrons ici. Je peux vous donner plus de 40 000 raisons pour lesquelles ce soleil n'est pas réel. Je le sais parce que la diffusion Rayleigh de l'émetteur n'est pas proportionnelle à sa taille. Je le sais parce que sa séquence est plus symétrique que celle d'une véritable étoile. Mais malgré ça, jamais je ne pourrai dire si elle est réelle ou pas. Je ne le ressentirai jamais. Avant que tout soit terminé, promettez-moi de réfléchir à qui de nous deux est la machine ici. Quel est votre plan ? L'Infinity a repéré le vaisseau du Didacte amarré à une structure au sud-est. Nous vous laisserons une fois l'Infinity sorti. Vous savez, j'ai pas hâte de vous empêcher de partir. Au cas où vous seriez déjà parti, j'ai pris la précaution de préparer un pélican pour une poursuite offensive. J'espère que vous vous trompez au sujet de ce Fort Honneur, Major. Quoi que ça puisse être. Mais au cas où vous auriez raison. Major. Bonne chance. À vous deux. Allez, Major. Emmenez-moi faire un tour. Cortana ? Je suis là. Un halo ? L'installation 3. C'est là que l'Infinity a trouvé les coordonnées de Requiem. Pourquoi il s'y arrête pas ? C'est parce que le recomposeur n'est pas sur l'anneau. Qu'est-ce que vous attendez ? On va pas sauver la station en restant là ? Connectez-moi à cette console.
Ici le major de l'UNSC à la base de l'UNSC. Vous me recevez? Oui, je vous reçois. Ici Sandy Tilson de la station Ivanov. Il nous attaque. Il cherche un artefact Forerunner que vous avez pris sur le halo. Comment vous êtes au courant de ça? Docteur, vous devez protéger cet artefact jusqu'à notre arrivée. Envoyez ce que vous... Vous savez ce que cette salope m'a dit après votre première partie de jeu? Cortana. Même moi, je prononce plus jamais son nom. Corrigez votre approche. Oui. Et là où c'est... Travaillez mieux tout seul. Je vois pourquoi vous l'avez choisi, Captain. Cortana. Je suis votre plus beau succès et vous me détestez. Arrêtez. Vite. Désolée, j'arrive pas à les arrêter. C'est comme si des milliers de mois se disputaient. J'espère vraiment que vous savez ce qui se passe. Pour être honnête, mon objectivité ne m'aide pas en ce moment. Attendez, mieux vaut descendre. Le dispositif que vous avez découvert était une arme Forerunner. Le commandant de ce vaisseau veut la récupérer. La récupérer? Vous ne pensez pas prendre... Il doit rester sur cette station, et vous le savez. Nous n'avons pas le choix, docteur. Ce n'est pas une question de choix. Il nous a fallu 3 mois, et le plus grand vaisseau de l'UNSC, pour le déplacer jusqu'ici. À moins que vous soyez bien plus fort que vous en avez l'air, il n'en bougera certainement pas. Pouvez-vous autoriser Cortana à accéder à l'inventaire de la station? Pourquoi? Si on ne peut pas déplacer le recomposeur, il faut faire en sorte que le didacte ne le puisse pas non plus. Attendez. Cet endroit représente des années de travaux. L'inventaire indique 7 mines d'excavation à Vok. Une seule suffirait à ravager entièrement la base. Je suis désolé, docteur. Il faut continuer à évacuer tout le monde. Quand on aura le recomposeur, il restera plus beaucoup de temps. Je vais demander qu'on amorce les charges pour que vous les déclenchiez à distance. La prochaine fois que vous venez nous sauver, laissez-nous au moins le temps de préparer nos affaires. J'essaierai. La coque de la station est endommagée. Le didacte a pris le recomposeur. Tout le monde au centre d'évacuation. Pris ? Mais comment ça ? Branchez-vous sur le pont. Trouvez-nous un vaisseau de transport. Attendez. Il se passe quelque chose. Cortana, vous avez accès au système de défense de la station? Non, ils ne répondent pas. Cortana! Major! Fais! Est-ce que ça va? J'ai monitoré les données. Je les entendais. Enfin, ce qui restait d'eux. Il faut y aller. Ces gens sont morts.
Il y aura d'autres morts si le Didacte arrive sur Terre. Ils vous donneront une autre IA. Peut-être même une autre Cortana si elle se donne son autorisation. Non, ça n'arrivera jamais. Ce ne sera pas moi. Vous le savez, n'est-ce pas? Je repère un broadsword dans le hangar C-11. Apparemment, ce que vous a fait la bibliothécaire a porté ses fruits. Cortana. Ce n'est pas fini. Pas encore. Pas encore. Distance au vaisseau du Didacte, 200 km. Une fois qu'on sera à bord, on trouvera le pont. Il se déplace à nouveau. Les boucliers du chasseur ne sont pas faits pour le sous-espace. Non, mais ceux du Didacte le sont. Dernier. Vous pouvez approcher. Merci, Major. Vous devriez reculer un peu. Batterie principale, feu! Joli tir. Nous procédons à la pénétration. Merci. Sachez qu'on sera à la station. Transmettez mes salutations au Didacte. Infinity terminé. On fait quoi maintenant? Plan B.
Vous persistez, après votre propre défaite. Allons-y, guerrier. Qu'on en finisse. Vous faites fausse route. À servir l'humanité, c'est lui rendre service. Votre compassion pour l'humanité est inutile. Je ne fais pas ça pour l'humanité. Cortana, vous m'entendez? Cortana, répondez! Mais... Ne me regardez pas comme ça, on dirait que vous avez vu un fantôme. Mais si on est ici? Ça a marché. Vous avez réussi. Comme toujours. Comment on ressort d'ici? Je ne vous accompagne pas cette fois. Quoi? La majeure partie de moi est là. J'ai tenu le temps qu'il fallait pour vous faire sortir. Non. Ce n'est pas... Nous partons ensemble. C'est trop tard. Je ne vous laisserai pas ici. John. J'ai attendu ce moment si longtemps. Ma mission était de vous protéger. Nous étions censés nous protéger l'un l'autre. Et on a réussi. Cortana, je vous en prie.
Attendez. Bon retour, John. Je peux me joindre à vous ? Bien sûr, commandant. Repos, Major. Vous n'avez pas à m'appeler commandant. Elle est belle, non ? Je la vois pas assez, à mon goût. J'ai grandi sur New Harmony. Je suis allé à l'école militaire de Corbulo. J'ai vu la Terre qu'à l'âge adulte, mais ça reste ma patrie. Vous êtes pas bavard, vous. Major, j'imagine pas ce que vous ressentez. J'ai perdu des proches, mais j'ai jamais vécu ce que vous traversez. En tant que soldat, notre devoir est de protéger les hommes. Coûte que coûte. Vous parlez comme si les soldats n'étaient pas des hommes. Nous ne sommes pas des machines. Nous sommes des humains. Je vous laisse à vos pensées. Elle disait la même chose. Nous ne sommes pas des machines. Cette heure, la victoire a un coup de défaite. Je me demande pourquoi. Nous sommes Forerunner, les gardiens de tout l'univers. Nos soins attentifs ont permis à la galaxie de mieux s'enraciner, là où la vie existe
la sagesse de notre longue histoire a nourri les sols. Notre force est un soleil lumineux vers lequel se tournent toutes les intelligences. Un abri impénétrable, sous lequel ils ont pu s'épanouir. Je me présente à vous. Accusé d'avoir assuré l'ascendance des Forerunners. D'avoir tenté de nous épargner ce destin qui nous oblige à nous éteindre, à céder. L'humanité représente une menace pour la galaxie. Refuser leur éradication est une grave erreur. Nous éclairons les ténèbres, mais ils prennent nos triomphes à leur compte. Les Forerunners détiennent le manteau de responsabilité. Il leur appartient à eux seuls. Jugez mes actes à votre guise. Mais ne doutez pas de la réalité. Le dépositaire est déjà à l'œuvre. Et nous ne pourrons pas l'arrêter.